Salut tout le monde, c'est Shadix et on est sur FIFA 13 Ultimate Team comme je vous avais promis sur ma vidéo sur Battlefield et je vous retrouve pour un déballage de pack et si j'ai des bons joueurs etc on fera un match en ligne. Donc on va voir l'équipe de la semaine qui est assez récente, elle est sortie hier. Bon âge, André Gignac, comme ça, André-Pierre Gignac, Close, ouais. Voilà, ces deux-là, ils me plairaient bien. On a Ribéry, donc oh là là là, lui je le veux, c'est tout, rien à dire. Comment il s'appelle lui? Hamsik, Ronaldinho, boosté, tout ça c'est des boostés. Hein. Ivanovic, voilà. Ivanovic, je sais pas, Kolarov, voilà. Donc on a une bonne équipe de la semaine. Et on va essayer de les avoir. Donc pour essayer d'avoir. Packs, je vais vous montrer mon équipe. La voici. Donc, on a une équipe qui est assez bonne avec un collectif que j'ai essayé de monter au maximum et j'ai eu un peu de mal parce que je modifie. Enfin, désolé, excusez-moi, j'arrive pas trop à m'exprimer. Je mets un peu de tous les championnats et tout. Donc, le collectif, du coup. Prend un coup, mais 71 c'est quand même jouable. Alors, pour aller acheter des points, c'est nouveau. Donc, faut acheter des FIFA points. FIFA points avec le magnifique accent anglais. Alors, nous on va prendre des packs or. Voilà, on va prendre celui-ci et on va acheter des FIFA points. Donc, j'ai 800 Microsoft points. Donc, on va prendre on va tout dépenser en FIFA points. Ces FIFA points vont nous servir à acheter que des packs dans Ultimate Team. Donc je télécharge. Ça risque de prendre 2 secondes. Voilà, 30%. Allez mon petit. Voilà. Donc là j'ai la masse de FIFA points. Continue. Donc je vais enlever un programme qui prend tout sur mon ordinateur pour pas que. Je puisse jouer tranquillement en ligne après. Voilà. Alors, nous avons 1050 FIFA points, c'est ça, donc ça ferait à peu près 1, 2, 3, 5 packs. 5 packs, un peu plus. On va pas faire la calculette. Attendez, je vais faire la calculette. Le mec complètement nul qui sait rien faire en maths va faire ça à la calculette. Ta-ta-ta-ta-ta. Donc, sur la photo, on a Marquisio. Enfin, je crois que c'est lui. Je suis pas sûr que ce soit lui, mais. Peut-être. 7 packs, ça veut dire. Nous pouvons faire 7 packs. Donc, 800 Microsoft prend 7 packs. Je ferai pas des vidéos tous les jours, je vous l'assure. Alors, on y va. Voulez-vous vraiment acheter? Oui, je ferme les yeux. Je regarde pas le meilleur joueur. C'est bon, je vais pas regarder. Bâtir mon club. Allez. Oui, Oscar! Yes! Oh putain, je suis heureux. Et 1000 crédits. Super. Ah, nickel. Oh, je suis heureux, les gars. Oscar. Il est pas bien noté, tout ce que vous voulez, mais il se remonte très, très, très cher. Enfin, très, très cher, oui, on va dire dans les 9000. Super. Donc, je vais le vendre. Parce que, à moins que. Ah non. Ah non, je vais le garder. Oh, quoi que. Combien d'étoiles il est? 4 étoiles. Bon, déjà, je vais tout garder. Donc, ça, je vais l'utiliser. Donne-moi du crédit. Séville. On s'en fout. 4, 2, 3, 1, c'est pas trop mal. Forme. On s'en fout. Ok, donc on va tout garder dans le club. Et Oscar, 4, 5, 1. Ça peut être. Ouais, je suis heureux là. Je suis content, c'est nickel. Je crie pas, mais je parle fort, donc j'espère que ça va pas vous casser les oreilles, donc excusez-moi aussi pour le son de la qualité de mon ancienne vidéo. Donc j'ai pas regardé. Allez. Ah, un peu moins bien, ouais. Pas terrible. Écusson de Manchester United. On va le vendre. Et quel est le contrat?
Alors lui, on va le vendre aussi. Liste éléments, on va le mettre à 650. 700. 650 et on va voir si ça augmente par la suite. Regardez les contrats. Lister éléments. On le part à deux. Il va partir. Ça, je garde. Ça, je vais en vendre rapide. Ça vaut pas le coup. Et ça aussi. Oh, n'empêche, il est pas mauvais, lui. On va essayer de le vendre. Voilà, tout ça, je garde. Ok. Donc, il nous reste 5 packs. Donc, désolé si la vidéo va être longue. Parce que si je fais un match après, ça risque d'être long. À moins que je sois sans séparer. Allez, je me cache les yeux. Une nouvelle fois. Un petit Ribéry boosté. Allez. C'est bon. Ok, donc lui, on va voir son prix. Parce que je connais pas son prix, mais il peut être cher. Et après, c'est un peu de la bouse. Là, c'est pas mal de carottes. Ouais. Alors, il joue, lui. Pays-Bas. Anec. Conserver tous les éléments. Bon, allez voir. On va aller voir son prix. Alors. On quitte. Échanger. Hop. Recherche d'enchères. Alors, c'est en argent. Il joue. Championnat RC Davis, je sais pas trop quoi. J'ai pas eu le temps de. J'ai pas pris la peine de. Ça. Il joue à NEC. NEC. Son poste, je crois que c'est à G. Il est bruyant, de toute façon, il ne peut pas y avoir 30 000. Voilà. Non, il vaut rien. Il vaut rien, bon, c'est pas grave. Je le regarderai peut-être du coup pour une équipe argent. Et on retourne faire des packs. Alors, hors pack. On n'a pas des jumbo là parce que c'est un petit peu plus efficace. Season ticket, ça coûte combien ça déjà? 2000 Microsoft France, c'est comme cher. Pas de spéciaux. Ouais, non. Allez, go. On se refait les packs. Hop. 150 points. Ça, j'aurai du crédit et après, je vous conseille si vous voulez acheter des packs et voilà, ça vous donne envie, c'est sûr. C'est vachement excitant les packs, mais ne dépensez pas votre argent dedans. Ça c'est oula, désolé, je vais. C'est Microsoft Point, je les ai eu gratuitement parce qu'on me les a offert entre guillemets. Donc voilà, je les dépense pour ça, mais allez pas dépenser 20€ pour juste pour ça. Donc Diouf. Cet élément, je vais mettre à 1000. On va voir s'il part, j'ai aucune idée de son prix. Envoyer vers plus d'échange. Élément 350 minimum. Après, ça je vais le mettre en rapide échange. Je connais pas le prix, on s'en fout. Et ça, on garde dans le club. Après, on va se refaire un reste. Oh, j'ai un peu du mal à parler ce soir. Isouli, 3 packs. Ouais, c'est ça. Donc, j'espère que je vais avoir un autre bon joueur. Ça serait gentil. Je regarde pas. Hop, c'est passé. Une carte noire. Oh, c'est de la carotte, ça. Oh, c'est de la carotte, ça. Ah, vas-y. Un bon truc. MC, MOC. C'est nul. Bon, bah là, je me fais un peu carotte. Envoyez liste éléments. 300. Oh, putain, non. Lui, mais Gofir, il sert à rien. C'est pas un grand rapide. Lui peut être intéressant. Éléments en bêta. Je mets pas beaucoup de Diarra, désolé, mais non. Je mets pas beaucoup de joueurs avec des achats immédiats parce que des fois les mecs elles s'excitent complètement sur les joueurs et puis même s'il coûte le mec et tu peux l'avoir en achat immédiat à 200, ils vont te le prendre en enchère à 400 parce qu'ils sont complètement fous. Donc non, moi je mets pas d'achat immédiat. Allez, avant-dernier pack.
je regarde. C'est qui? Dost. Okay, ce mec est nul. 4-3-1-2. Ça, c'est cool. Girondin de Bordeaux. Je n'ai rien à foutre. Lui, il a pas l'air mauvais. Et lui. 350. Ouais, même pas sûr. Voilà. Ça, c'est. Je fais ça, c'est. De temps en temps. Non, je t'aime pas. C'est pas beau. Et voilà. Alors, ça, j'ai jamais compris à quoi ça sert, mais je vais le conserver. Hein. Je vais pas payer pour ça, mais si j'en ai, pourquoi pas. Girondin de Bordeaux. En liste. Ballon. Conservé dans le club. Les formes, on va les vendre aussi. Parce que... Je sais pas combien ils coûtent les formes. On va mettre ça à 200. Hein. Liste éléments 200. Ça, tous les amants restant dans le club. Allez, dernier pack. Là, je vise le Ribéry boosté. Hein, sinon, je me suicide en direct live. Allez, go, 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 go. Ribéry, Ribéry, Ribéry. Je regarde pas, je regarde pas, je regarde pas. Allez, regarde pas, je regarde pas. J'attends. Oh là là, la carotte. Bon bah, pas terrible terrible, mais ça peut aller quand même, hein, parce que nous, on a quand même eu des... Oh putain, qu'est-ce qu'il est moche lui. Oh, il est moche. Bon allez, on va être rapide, il est trop moche. Et ça c'est quoi? 4-3-1-2 encore. On va avoir gardé dans le club parce que j'ai plus de place de ma pile d'échange. Voilà, donc, fini. 800 points pour Oscar. C'est quand même pas le top du top. Mais bon, c'est pas grave. Alors, Oscar. Attendez, donc déjà, eux, on va les retirer de l'équipe. Ils servent plus à rien maintenant. Retirer de l'équipe. Voilà. On va ajouter des vieux or. Alors, Oscar. Ouais, il a pas l'air mauvais. Lui, on l'ajoute. On ajoute. Brésilien, voilà. Donc voici ma team, ma dream team. Dream. Donc j'ai pris Cissé, enfin voilà. Ah, n'empêche que Cissé irait mieux ici. Ah non, il va pas mieux. Ah bah non, parce qu'il est pas brésilien pour l'autre là. Ok. Allô là. Pile d'échange. On va aller voir un peu ce qu'il y a. Mike Oswell, hop. Hop, de toute façon ça se vendra quand ça se vendra. Alors lui, 3-4-3 en plus comme dispositif, c'est moche. On va mettre ça on va mettre à 350. 4-3-1-2, je vais mettre ça à 1000 au cas où il y a un petit fou qui se balade. 300, lui on va le mettre 350 minimum parce qu'il a un bon dispositif. Hop, donc les prix je mets complètement au hasard. Hein. Juste les ors, j'essaye d'en tirer 350, je suis content. C'est pas brillant. Les blessures, pour tout. Pour lui, je pense pas que ça se vend grand chose, ça. C'est un achat immédiat. Ouais, j'aime pas mettre les achats immédiats parce que. J'aime pas. J'aime pas dire par pourquoi. J'aime pas mettre les achats immédiats tout simplement parce que. Imaginons, vous connaissez pas la valeur du mec. Vous mettez achat immédiat 800 et en fait, le mec vaut en réalité 2000, bah vous êtes un peu dégoûté. On va mettre la 1000 aussi. Les espérants que ça enchérit par-dessus. Lui. 350, c'est cool. Si c'est. Acheté pour 850, mais je me suis fait bien carotte dessus. On va mettre un achat immédiat pour 6. El Charaoui. Ouais, El Charaoui, j'avais acheté. Je pensais qu'il allait augmenter, mais non. Donc, j'ai fait un petit peu avoir, mais c'est pas la mort. Et on va vous faire... Enfin, on va vous faire... Non, je suis tout seul. Et je vais vous faire un match. Donc, Oscar, il va jouer. Il joue en quel dispositif, le petit coco, là? Oscar, t'es où? Voilà. Échanger avec club. Mince. Oh, putain, je... Échanger avec club, c'est où, ça, voilà? Oscar.
Voilà. Et Oscar, joue à la place d'Anderson. Et Anderson, tu mets à la place de... J'ai que des attaquants dans les remplaçants. Ça, ok, donc 70 de collectif, ça peut aller. Je vais essayer de d'augmenter à 80. Et ça serait vraiment une bonne équipe. Alors, Monigo. Donc, je galère un petit peu en ce moment, les saisons. Et avec cette équipe, j'ai pas joué beaucoup parce qu'elle est toute récente. On y va. Allez. J'espère tomber contre un mec qui n'a pas des équipes ultra cheat. Parce qu'il y en a qui grillent vraiment leur carte bleue là-dessus. Allez. Rien que son logo me fait peur. Vous voyez, ça peut paraître bête. Allez. Beaucoup ont le maillot de Barça orange. Il est joli. Donc, Pedro, le mec que je connais pas, ouais. Ah, il a une bonne équipe quand même. Il a une bonne équipe. Mais c'est pas non plus exceptionnel. Par contre, il a 83 en notes. Et ça me fait peur par rapport aux remplaçants. Donc, on va pas passer les cinématiques juste pour voir les remplaçants. Voilà, il a qui comme remplaçant? Donc voilà, vous voyez toute mon équipe là pour ceux qui voulaient savoir le nom des joueurs. Au passage, je joue en 4-1-2-1-2. Très très bon dispositif, mais très très cher. Donc je n'achète pas beaucoup de joueurs en 4-1-2-1-2. J'en prends des 4-3-1-2 et pareil. Nené, Vidal, Tevez. Oh là 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 là. Arshavin. Aïe 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 aïe, le Tevez il va me le faire rentrer là, ça va faire mal. Allez go. Alors, je vous préviens sur FIFA, je suis pas quelqu'un de très fort. Je joue Ultimate Team, moi c'est vraiment pour les enchères et voilà, j'adore ce système d'enchères. Après en lui-même, oula, en lui-même FIFA, je suis pas un joueur très très fort. Ça se peut que je me prenne une grosse tôle. Hop, alors. Nkoulou, j'ai jamais joué avec lui, il a l'air plutôt bon sur ses stats, on va voir. Non. C'est bien. On va voir Oscar aussi s'il joue bien. Parce qu'hier, je voulais me l'acheter, il était à 8000. Et ben là, je l'ai eu dans un pack, donc je suis content. Enfin, je déteste. Mariano, mets-toi avec. Arrête de terre. Plutôt mauvais, enfin je trouve ça lève. Oh, le mec qui fait pause, alors ça c'est vraiment emmerdant. C'est bien donné ça. Ah, c'est bon. C'est peut-être une erreur technique. Allez. Ouais, il est bien placé. Hop. Bon ballon d'attaque. Donc Pedro et les sont ces joueurs ont pas l'air d'avoir beaucoup de forme par contre. Quand vous voyez leur petit trait là. Ils ont l'air bien essoufflés déjà. Alors, en goal, j'ai Sirigu, donc Sirigu. J'ai pris lui, en fait, à la base, je voulais Mandanda, mais comme il est cher. Ah, tiens, je peux pas me l'acheter maintenant que j'ai du crédit. Peut-être que je me prendrai. Et je voulais enfin, de ça, je voulais un goal de soit de Ligue 1, soit de. Comment ça s'appelle l'autre? De Barclays. Bah, j'ai pris sur un de Ligue 1. Tout simplement parce qu'il était bien noté pour pas très cher. Attention au coup. Donc voilà, hein, quand c'est bien noté, c'est pas cher, bah on prend. Hein. Allez, Banner Love, feinte. Oh non, il a pas tiré. Oh là là, il a failli faire l'erreur de sa vie. Enfin, de sa vie, non. Oula, c'est vrai. Bloque-le. Oh là là, quel fou. Quel fou ce goal. Bon. Merci. Ça commence pas super bien, mais c'est pas non plus dégueulasse. Même s'il me domine un peu. Oh non. C'est bien. Oh non. Vous voyez, Sirigu, il est vraiment bon. Hein. Pour son prix, là, j'ai dû le payer dans les 1300. Il est pas mauvais. Allez, Diarra. Diarra qui est pas mauvais. Je l'ai pris surtout parce que c'était un milieu défensif qui joue en Barclays. Il n'y en a pas des masses. On sait bien sûr. Allez. Oh, Louis. C'est qui a tiré, Oscar? Oscar, je pense que je vais le vendre. Hein. Oh là là, mais c'est un fou ce joueur. Ouais, Oscar, je pense que je vais le vendre parce que
Je sais pas, il est pas très bien noté, il est cher, donc autant le vendre avant qu'il perde beaucoup de valeur. Il a du soutien, c'est bien. Sinclair, alors lui j'aime bien ce joueur. Il est rapide et tout. Allez. Allez, Djourou. Cours. Alors, ce qu'il faudrait que je m'achète aussi, c'est compagnie, mais j'ai aucune idée du prix, il ne doit pas être donné. Il va frapper, ça c'est sûr. Hop, voilà. Pas s'exciter. On le garde tout doucement. Allez, Oscar. Menez. Très très bon joueur. Hop, nickel. Et ça rentre. Oh, poteau. Oui, transversal. Oui, non. Oui, non. Oui, non. Je bug un petit peu. Allez. Non, Djourou, tu l'as. C'est une coulou qui là. Ça ne plaît pas au public. Dégage. On passe Modric. C'est mal dégagé. Allez. Coutinho. Alors lui, très très bon joueur. Je crois qu'il est 5 étoiles. Parce qu'il a quand même 92 en dribble. Donc c'est quand même pas trop mal. Et en plus, il est pas cher du tout. Donc je vous conseille si vous aimez les gestes. Et enjoy. Oui. Oh, dommage. J'aurais pu faire une belle tête là avec Mr. Vanirlove. C'était lui. Enfin, Mister. Bref. Du coup, je savais pas qui j'avais en fait comme joueur. On le prend par derrière. Cette phrase est légèrement suspecte. Oh putain, il m'a foutu. Palacio. Alors, en espérant qu'il me fasse pas rentrer Tevez de suite. Parce que de faire légèrement mal. Allez. Et ça fait 1-0. J'aime pas les mecs qui passent pas les cinématiques. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un truc nul. Il y a une façon de jouer bizarre comme ce mec. Il joue un peu bizarrement. Pour faire une roulette, il reste tapé sur. Oh non! Sur LT et puis. Ouya, aïe aïe aïe. C'est la panique à bord. C'est bon. Voilà. Drame évité. C'est n'importe quoi, mais drame évité. Allez, Vanirlove, tu sautes dessus. Mariano, très bon joueur. J'avais payé 2500 au début du jeu et puis il a bien baissé, donc je suis un peu dégoûté. Oh non, j'ai fauché. Penalty. Oh non. Alors, là, il y a deux solutions. Soit le mec est complètement nul, il tire au milieu. Soit le mec est fort et il tire sur les côtés. Je pense qu'il va tirer au milieu, mais je vais plonger à droite. Ah putain, non, ça m'énerve. Oh là 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 là. J'aime pas, en plus le mec il a tiré genre pas à gauche mais pas au milieu donc. Bon, ça va pas là. En plus je fais n'importe quoi, regardez, c'est. Je suis nul, putain. Allez go. Et donne-moi ma balle là. Il est un peu possessif. Allez, passe à Vanirlove. Et Vanirlove, une boulette. Voilà. C'est bien. Fais-nous ici tout pego. Non, c'est pas moi. C'est cool. Allez. On remonte, les gars. On va le gagner, là. Là. Je mettrai un petit cochon sur la personne qui s'est connectée. Comme j'ai fait sur ma vidéo sur Battlefield. Et le mec... Donc, si vous avez un bon goal à me conseiller... Pour on va dire 5000, pas plus. Pas plus. Parce que après ça fait cher le goal. Dites-moi dans les commentaires, il faut qu'il soit minimum en Barclays ou en. Oh putain, je l'ai fauché. Ou en Ligue 1. Je vais prendre un carton jaune. Putain, j'ai cru qu'il allait me sortir un rouge, j'ai eu peur. Non, ça je pense pas qu'il va me faire quelque chose de. À moins. Allez, le contre, contre-attaque, on marque. Menez. Oh, fauchage, carton rouge. Menez, que j'ai du mal un petit peu à jouer avec lui, mais aussi il aime pas son dispositif et son truc là. Son poste, donc. C'est normal qu'il a un collectif pas très bon.
m'occuperai de ça plus tard. Cette équipe, je l'ai faite hier pour tout vous dire et j'ai pas beaucoup joué avec. Avant, j'avais une équipe que de Brésiliens, mais je l'appréciais pas trop. Allez, go, Vanirlov, hop. Oh non. Oh, j'aime pas les mecs. Bon, bah, mi-temps, ça fait 2-1 pour lui. Et rien n'est joué. Palacio. C'est qui, lui? Les petits chauves, là? Il y a que des chauves dans son équipe. Appuie sur A, jeune Padawan. Ouh là là, il est vachement dominateur quand même. Hein. 58%, mais de toute façon en possession, moi je suis. J'ai jamais beaucoup la balle en fait. But de 1, tir il en a fait 9, j'en ai fait 3, et tir cadré il en a fait 6, j'en ai fait 1. Et tag j'en ai fait 13, et faute j'en ai fait 3. Ouais putain, il joue quand même bien. Il joue quand même bien, il y a quand même rien à dire dessus. Coutinho, ce qu'il est 5 étoiles, on va tester la fin du coup du foulard. Il est pas 5 étoiles. Moi j'ai loupé, mais il faut que j'ai loupé. Entre Santos, Sinclair. Allez, Sinclair, je cours. Sinclair. Ah. Réveille. Donc, moi je vais mettre dans les options, je vais le faire juste après ce match. On peut mettre, au lieu de mettre le nom du joueur à chaque fois. Ouf, j'ai eu peur. Enfin, le nom de la. Le gamer tag, voilà, de la personne avec qui vous jouez. Vous pouvez mettre le nom du joueur qui est là en fait. Genre, par exemple, Neymar, Pato, Robinho. La défense qui respire. Vous avez compris. Tiens, je vais encore mettre un cochon. Oh non, je vais pas mettre de cochon. J'ai la flemme de mettre des cochons. Allez, Menez. Allez, Menez. Allez, Menez. Un centre. Vanirlov. But. On va aller danser sur ce mec. Désespéré. Nickel, les gars. Ça s'appelle de la remontée, ça. Voilà. Ça, c'est un joueur fort. Non, je vais arrêter de faire mon mec. C'est la pète. Mais je suis content de moi. Je peux vous avouer, je suis content de moi. Vanirlov, très bon joueur. J'ai eu pour 650. Donc si vous l'avez pour 650, bah foncez. Hein. Et puis au pire, si vous l'aimez pas, vous le revendez en vente rapide. Vous le revendez, on va dire, 630. Et puis voilà, vous avez rien perdu. Enfin, 20 malheureux crédit. Allez, Vanirlov. Vanirlov. Hop. Coutinho, reprise de volée. But. But Coutinho. Allez, retourne voir tes copains. Non, retourne voir tes copains. Voilà. J'espère que quand je crie, ça vous tue pas les oreilles. Parce que sinon, il va falloir que je fasse un montage super dur. Mais normalement, vous aurez pas de problème auditif après avoir regardé cette vidéo. Donc voilà. Alors. Attention, il va s'énerver là, il va donner sa manette à son grand frère et puis il va me foutre une raclée. Allez, go. Donc, mon équipe est vraiment forte là, tu vois. Vous voyez, je la découvre quasiment en même temps que vous et content du résultat. Mariano, tu mets ça ici pour Djourou. Ah non, pas Djourou, Menez. Menez, je crois pas qu'il est fort à la tête. Attention aux contre-attaques. Attention à la contre-attaque, j'ai dit. Sinclair. Attention à la contre-attaque. Allez, Oscar, tu cours. Hop, nickel, les gars. On bloque. Faut pas qu'il passe. Voilà. Et là, on fait un contre-attaque, nous aussi. Allez. Ouais, Oscar, putain, je l'aime pas. Hein. Je vais le vendre direct après cette vidéo. En off. Et je vous retrouverai prochaine fois, je sais pas où encore. Mais je vais faire des pas mal de petites vidéos sur FUT comme ça. Il n'y aurait pas toujours des packs, hein, parce que les packs sont chers. Même en crédit, j'aime pas faire des packs, parce que je trouve ça très cher, 7500 pour avoir un contrat en or, un dispositif en or, et puis de la forme en or. Ah non. Oh putain, le spray but. Je trouve ça nul, donc je pense pas que je ferai beaucoup de packs. Et là, il m'a mis un but avec un l'air, une l'air. Allez. Oh là là. Pour remonter. Menez. Allez. Oh, dommage, je peux pas passer. Un petit peu trop vite. La passe était appuyée, mais le contrôle est bon. Kara. Oscar. Donc si vous avez pas encore FUT 13 et vous avez FUT 12 et si vous avez
Si vous avez fait une équipe fut. Oh non! Non, j'ai loupé mon enroulé, il est pas parti. Et si vous avez une équipe fut dans fut 12, attends, une équipe fut dans FIFA 12, voilà. Et bah dans FIFA 13, on vous offrera 4 packs. Donc 2 or et 2 où il y a 2. Donc voilà, non. Si vous vous dites, oh, j'ai pas envie d'aller sur FIFA 13 parce qu'il va falloir recommencer tout, bah vous aurez quand même 4 packs pour vous encourager à jouer. Mais voilà, si vous avez joué à fut sur le FIFA 12, et ben vous êtes quand même assez expérimenté, enfin vous connaissez quand même la base, donc ça va aller beaucoup mieux que votre début sur un FIFA Ultimate Team. Allez, je me jette trop là. Hop, Juru, il est bon ce Juru, hein. Pour son prix, il est très très bon. Allez, Banner Love, tu cours. Arda Turan. Un joueur qui est très très fort aussi, c'est Walcott. Bon, je pense que vous le connaissez. Il est noté 96 en vitesse. Déjà dans Fut 12, il était 96. Et là, ils ont gardé. Ouh, j'aurais fait. Oui, ils ont gardé le 96. Allez, go. On tape. Oh non, j'aurais pu la mettre. Ça aurait été magnifique. Pressing. Hop. Juru, tu nous. Oh non! Oh là, j'ai cru que je l'avais fauché. Non! Oh ce but d'Oracro. Et en plus, il fait start. Oh, je suis dégoûté là, vous voyez. Encore l'autre, ça va, mais là, c'est un peu un but d'Oracro quand même. En plus, il fait pause. Il va m'envoyer un message, tous les coups. Il nous vient d'où ce petit monsieur? États-Unis. Pourtant la connexion est bonne. Ça, c'est... Ah non, il a toujours pas arrêté sa pause. Oh, ça bug. Quel but de raccro quand même. Un petit peu changer les choses. L'entraîneur bon, a demandé à deux joueurs d'entrer sur la pelouse. Inez. Allez Mariano, tu cours. T'arrêtes pas. Continue, tu tires. Oh non, mais pour elle, les frappes elles partent plus. Oh, ça m'énerve. Oscar. Oh, faute, oui, faute. Si je fais start. Attendez, parce que là, nous allons faire un changement. Oula, Nkoulou, il est complètement décédé. Matissoko, on s'en fout. Et si je mets Juninho, ça va changer maintenant ou... Oh non, ça serait trop simple. Oh si, ça change maintenant. Nickel. Je tire avec Juninho. Il va sauter son mur, je crois. Pas comment il met. Il saute. Allez. On va prendre Juninho. Comment fait changer de tireur? Oh, j'ai pris un deuxième tireur. Juninho. Là. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, je suis dégoûté. Oh oui! Corner. Désolé, j'ai crié. Excusez-moi. Mais je pensais d'avoir. Allez la mettre. J'ai loupé complètement mon tir. Oh, dégoûté. Allez, faut qu'on remonte. Oh, arrête de faire pause toutes les deux minutes, toi, tu commences à être chiant aussi. Ah bah t'es prêt. Hop. S'il fait. Quel chiant. Il y a des changements. Pas mal. Faire un changement il y a à peu près 10 secondes, mais il leur fait un le mec. Il y a eu ça contre Tevez. Danilo, très bon joueur. Allez. Oh, il me saoule ce mec. Allez, Banner Love. Oh là 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 là. Juninho qui est quand même, malgré son âge, encore super fort au coup franc. Hein. Comme Ronaldinho qui est super fort en geste technique et aussi. Oh putain, non, pas un but. Pas une humiliation. Oula, ça bug. La construction était parfaite, la passe encore plus parfaite. Allez, on envoie là-bas. Coutinho. Quel dommage, c'était vraiment le but décisif au bout de cette action. Ah. Bon ballon d'attaque. Et ça continue. Soko non plus, il est super bon aussi. Allez, non. Oui, c'est bien. Allez, contre-attaque. Oscar, donc mon commentary est pas très
comment dire, rechercher au niveau des phrases, parce que j'ai un peu, allez go, on y va, allez go, on y va, allez, cours, cours. Mais je suis vraiment concentré dans le match. Et je vous propose un gameplay, on va dire, potable. J'aime bien dire potable. Parce que sinon je vous aurais proposé un 8-0 pour le mec, ça aurait pas été super. Ah, regarde. Allez. Le problème de Junio, c'est qu'il court plus. Il est un peu fatigué, le pauvre. Et c'est bien, c'est de lui mettre des cartes vitesse. Comme ça devient genre super fort. Bon, je me suis pris une défaite. C'est pas une tollée, c'est une défaite. Et donc voilà, donc je vais faire mon équipe là, je vais essayer de l'améliorer. Je vais vendre Oscar. Et puis je vous retrouverai pour une prochaine vidéo sur Fut, je pense. Parce que 9,7 ce mec. Sur Fut, et puis. Mais non. Modificateur d'abandon 0,95. Parce que j'ai compté déconnecter cette fait. Bon, j'ai racheté une fois, mais. J'ai été déconnecté une fois. Alors, je voudrais bien qu'on m'explique aussi c'est quoi le multiplicateur. J'ai jamais compris ce que c'est. Hop, ok, 450 crédits. Continuez. Je vais voir si on a vendu des joueurs. Et je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur... Oulala, regarde, attendez. Deux secondes, on va voir qui est vendu. Échanger. Vendu. Oui, j'ai tout vendu. 6C à 900, bah c'est nickel. Et Mike Oswell à 350. Ça c'était. Donc c'est cool, 6C à 900. Certains, en regardant la vidéo, vont dire oh là là, je le veux, le 6C à 900, ça se pourrait. Mais bon, vous le retrouverez quand même, vous aussi, sur le marché FUT. Allez, salut tout le monde!